Nous lisons dans Luc chapitre 2, les versets 25 à 38. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Et voici. Pétala. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Et qui à Jérusalem, on doit venir Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, père de Marie, sa mère, oh maman Botillé, voici, Tala, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme. Afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je vous salue encore une fois au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous revoir ce matin. Car cela prouve réellement que vous êtes dans la promesse de Dieu. Et vous êtes dans son plan merveilleux. Le prophète dit, le plan de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors, si le Seigneur vous a emmené dans ce tabernacle ce matin, nous croyons qu'il veut accomplir des choses avec vous. Ici, je profite pour vous donner une salutation des anciens. Amen, Église. Amen. Et si vous le recevez, ah, vous les recevez vraiment bien. Ah, je crois que ça, c'est un bon signe. Je ne suis pas amateur de polémiques.
Mais les gens aiment faire des polémiques autour de moi et autour de nous. Désormais, vous êtes censé de vous habituer à cela. Lorsque le Seigneur accomplit des choses avec vous, vouloir ou pas, ça crée toujours l'adversité. Lorsqu'il y a symbole de prospérité ou de progrès en vous, cela ne réjouira jamais le cœur de tout le monde. Il y a des gens qui souhaiteraient ta chute. Il y a des personnes qui attendront ta disparition. Il y a des gens qui attendront peut-être ta mort. Mais peu importe toutes ces choses, le plus important, il faudrait que vous reteniez deux. Première chose, ayez confiance à Dieu. Deuxième chose, ayez confiance en toi. Si vous avez ces deux choses, vous êtes inébranlable. Même si vous pouvez perdre votre papier aujourd'hui, vous allez le retrouver demain sous une autre forme, frère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le combat dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est normal. Vous oubliez aussi que le combat, ça fait partir des promesses que Dieu nous a données. Le Seigneur a dit, ils te feront la guerre. Donc, la guerre aussi, c'est une partie de la parole dans la vie d'un enfant de Dieu. La chute aussi, c'est une partie de la parole. Tomber aussi, c'est une partie de la parole. Mais chaque parole est suivie d'une promesse. Il y a les autres qui ont la promesse d'aller en enfer. Et quand ils chutent, ils ne se relèvent pas. Mais ceux-là qui sont comme les enfants d'Abraham, ils peuvent rencontrer l'obstacle, mais après demain, ils vont franchir ces obstacles-là. Donc, que personne ne puisse tomber ni détourner tes pensées de Dieu. Lorsque le désir et la volonté de servir Dieu est encore là, persévérer. Sachez que certaines épreuves arrivent pour nous changer de dimension. Pour nous ouvrir des portes de voir Dieu d'une autre manière. Des fois, lorsque les habitudes s'installent, nous perdons certains charismes et certaines valeurs. Alors en cela, le Seigneur peut provoquer l'adversité pour vous secouer. Toi qui priais toute la nuit, qui n'arrive plus à prier, le Seigneur connaît là où réside ta force ainsi que ta faiblesse. Il peut aller toucher X ou Y. Lorsque X, Y s'élève contre toi, tu vas te souvenir de la chose qui t'a toujours apporté la victoire. Si c'est la prière, tu vas retourner dans la prière. Si c'est l'argent, tu recouriras à l'argent. Mais moi, je sais que c'est souvent la prière. Alors, quand tu retournes dans la prière, là où la terre était devenue aride, le Seigneur va produire la fertilité. Il va produire la fécondité. Chaque enfant de Dieu doit connaître que le combat, c'est aussi une dimension de l'élévation. Mais si vous n'avez pas la foi, vous allez pleurer, accuser Dieu et abandonner. Hier, quelqu'un m'a fait la joie. Je lui ai dit une chose. En fait, c'est l'ancien. Je crois que certains d'entre vous, j'ai compris que vous avez vu certaines photos quand vous, par votre manière de dire Amen. C'est vrai, j'étais avec l'ancien. L'ancien, l'évêque Tshibola, c'est vrai. Évêque Tshibola. L'aile la plus dure de la foi dans cette commission, frère.
C'est quelqu'un qui n'accepte pas n'importe quoi. Alors, pendant qu'on parlait, dis-moi d'abord, parle, je t'écoute. Frère, j'aimerais que vous reteniez une chose. Parmi les choses que vous devrez connaître de moi, je ne suis jamais lâche. Et je ne suis pas impureux. J'expose librement mes opinions. Et je sais prendre position face à quelque chose. Amen. Amen. Alors, si vous voulez marcher avec Dieu, vous devriez être un homme de décision. Une femme de décision. Pendant que j'ai parlé, il me regarde. Il dit, je t'aime beaucoup. C'est la première fois qu'il me voit comme c'est dit. Vraiment, tu me fais plaisir. Un homme doit être comme ça. C'est-à-dire, un homme doit être comme ça. Il doit être comme ça. Dans votre vie, si vous êtes comme ça, tantôt plus tôt, cela prouve que vous n'avez pas Dieu. Et vous n'irez pas loin. Même quand vous voyez un pasteur qui dit une chose aujourd'hui, qui le contredit demain, qui fait une chose, posez-vous bien la question s'il a Dieu. Parce que dans l'Apocalypse, il est dit que ton oui soit oui, ton non soit non. Si vous êtes ni chaud ni froid, je fais la promesse de vous vomir. Si vous avez la foi, vous devrez savoir vous positionner. Frères et sœurs, il est question ici de la parole et du ciel. Lorsque quelqu'un est engagé dans la parole, sa position doit être connue. Donc, même quand vous venez aujourd'hui, vous savez que lui, avec cette histoire, quand on dit non, c'est non. Quand vous reviendrez demain, vous le trouverez toujours dans les mêmes noms. Amen, frère. Amen. C'est comme ça que je disais à mes frères. S'il faudrait qu'il me reste deux personnes, s'il faudrait que je reste avec trois personnes, mais des personnes qui sont correct, des personnes qui sont déterminées, je préférais rester avec ces gens-là au lieu d'avoir toute une foule de gens autour de moi, des personnes qui sont tantôt plus tôt et des personnes ayant un comportement hypocrite. Vous êtes avec eux, ils disent une chose. Quand vous tournez le dos, ils font une autre chose. Et ils disent autre chose. Ça, c'est une zone dangereuse pour vous. Amen, Église. Amen. Vous risquerez de mourir. Prenez position quand vous servez Dieu. Même si vous avez une faiblesse dans votre chair, dans votre faiblesse, défendez votre position. Je crois à ça comme ça. Et je ne change pas. Ce n'est pas quand je rencontre le frère John, je lui dis une position. Quand je rencontre le frère Gloire, je lui dis autre position. Quand vous êtes en face d'une telle personne, vous êtes dans une mauvaise adresse. Séparez-vous de ce genre de personnes. Séparez-vous de ces individus. Le ciel n'est pas un terrain de jeu. Amen. Amen. Et il me dit, c'est courageux. Je t'ajoute une chose. Ne mets pas tes pieds dehors. Ne recule pas, avance. Je dis, même ça, Dieu le sait. Frère, personne ne marche avec Dieu dans sa poche. Quand je décide de servir Dieu, même si toute l'église disparaissait, je servirai Dieu. Si je ne sers plus
Peut-être je ne le servirai plus à Balari 4. Mais je le servirai toujours avec moi dans mon cœur. J'irai avec lui dans la montagne. Je retournerai avec lui. Parce que les expériences avec Dieu, j'en ai fait et j'en fais chaque jour. Avec certaines personnes, nous associons seulement pour faire route ensemble. Mais lorsque nous ne confessons plus la même chose, il est important que toi et moi nous se séparons en paix. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Arc-en-ciel Bandal, vous n'êtes pas des lâches. Vous n'êtes pas des fainéants. Je ne vous amènerai jamais à être mes esclaves. Je vous amènerai à être l'esclave de Jésus. Parce que ma vie, elle est éphémère. Je peux mourir aujourd'hui, mais Jésus restera là. Vous devrez être esclave de Jésus et de sa parole. Lorsque Dieu vous dit une chose, attachez-vous à ce que Dieu vous dit. Les circonstances et les événements ne changez en rien votre position. Surtout si cette position cadre avec la volonté de Dieu. Si ça cadre avec la volonté de la parole, demeurez là-bas. Restez là. Mourez là-bas. Que les choses marchent ou non, restez là-bas. Quelqu'un m'écrit: alors, pasteur Valeur, vous commencez à faire vos choses vous-même. Hein. Vous ne nous intéressez pas. Frère, je n'intéresserai plus personne. Frère. Pourquoi? Tu n'as pas la conviction que j'ai. Tu n'as pas la vision que j'ai. Tu n'as pas le même appel que moi. Moi, je me dis, à part Dieu et mon église, je n'ai personne. Rien, frère. Ce n'est pas quand ça ne marche pas dans mon église, je n'ai personne que je peux aller appeler pour venir me réparer des choses ici. Que ça marche ou pas, je répare ici. Je suis là, je meurs là. Je suis déterminé à rester avec vous, frère. Peu importe ce que ça va m'écouter. Jusqu'à ce que le Seigneur va nous aider à rétablir la chose. Nous réparons avec les ministres que nous avons. Ils connaissent déjà la parole. Ils peuvent nous enseigner la parole et nous emmener à voir Dieu. Amen, église. Amen. Parce que vous pouvez aller recourir à quelqu'un. Lorsqu'il vous sauve d'une situation, il fera de vous son esclave. S'il a une mauvaise pensée, le jour où vous voudrez, lorsqu'il fera une mauvaise chose, quand vous allez vouloir le ramener ou le corriger, dira: si vous jouez, je vais vous balancer. Je vais vous détruire. Pourquoi? Parce qu'il pense détenir une parcelle de pouvoir, frère. Nous servons Dieu. Détruisez-moi si vous en avez capacité. Mais si vous me ratez, alors vous rencontrerez celui qui me protège. Amen. Celui qui fera ce que vous échouez. Alors sachez, quand vous allez échouer, première étape de la vengeance de Dieu, c'est de faire d'abord échec au plan de l'adversaire. Vous venez avec votre paix quand vous voulez couper, le Seigneur rend cela nul et sans effet. Ça ne s'arrête pas là. Deuxième étape, c'est de prendre cette épée, de te faire goûter toi-même le fait que ça devrait faire sur l'autre. Il te retourne cela. C'est comme ça qu'il dit: à moi la vengeance et la rétribution du méchant. Tout celui qui a une mauvaise pensée contre l'autre, c'est un méchant.
Tout celui qui pense détruire l'autre, c'est un méchant. Tout celui qui pense que le mal doit atteindre l'autre, c'est un méchant. Je vous dis, depuis dans ma vie du ministère, depuis que j'ai commencé le ministère, je n'ai jamais maudit quelqu'un. Jamais, frère. Frère, jamais. Je ne pense pas que je le ferai. Certainement, je peux avoir mal, mais je ne le ferai pas. Mais maintenant, pourquoi? Parce que je crois celui qui dit à moi la vengeance et la rétribution. Ouais. Analysez un peu. Il y a des choses là-bas. La vengeance. Est-ce, on peut nous trouver, y a, quelqu'un peut nous trouver un dictionnaire ici. Qu'on nous définisse la vengeance. Et deuxième chose, rétribution. Frère, évitez de compliquer la vie pour rien. Évitez de compliquer la vie des autres pour rien. Amen. Amen. Servez Dieu dans la paix, dans la tranquillité. Dieu promet deux choses. À moi la vengeance et la rétribution. Frère, je m'imagine déjà que Dieu se venge, frère. Non seulement il va se venger. Dans la vengeance, ça veut dire, il te fera subir ce que toi tu voulais faire subir à l'autre. C'est-à-dire, s'il fallait que l'autre tombe dans la pauvreté, Dieu va venger cette pauvreté. La vengeance, ça veut dire, il te retourne cette flèche de la pauvreté. Gloire, il doit être pauvre. Comme un pauvre. Alors, cette malédiction vient sur gloire. Boum! Ça cogne gloire. La Bible dit, toute malédiction sans cause est nulle sans effet. C'est-à-dire, quand quelqu'un est pauvre, il manque le pain, il manque les habits, il manque la maison, il manque tout. Et quand tu es pauvre, même ta famille te manque. Tu n'es même pas. Téléphone sont raté. Le nom que je vais lui donner là, il ne va pas se retrouver. Il ne va pas se reconnaître. Alors je dois trouver un endroit. Tu vois, Frère, maman, on cherche comment à souder, frère, allonger la famille. Mais quand vous n'avez rien, frère, tu es une charge. Il fuit la charge. Alors, dans la vie, lorsque quelqu'un t'est maudit par la pauvreté, alors Dieu dit, vous n'avez pas trouvé Papa Sam. Il dit, Dieu, il prend cette malédiction. Cette personne veut te détruire la vie. Quand tu es pauvre, peut-être il y a bien intérêt.
Orotanga mala mouté. Pour les couleurs comme riche à bas la riche et pauvre à sa nini. À bas la pauvre. Tout est sur base des intérêts. Donc, lorsqu'on maudit quelqu'un comme ça, ça veut dire vous les tuez déjà vivants. Écoutez ce que la vengeance veut dire. Le dictionnaire dit que la vengeance, c'est la peine causée à l'offenseur pour la satisfaction personnelle de l'offensé. Yoka nan lukam, yoka. Ezali etumbu oyo. Bakei ko sala na mutu oyo. Asali mbeba. Pona ko sepelisa muto yo basala ki mbeba. Frère. Ndeko. Biloko msu savan totala. Toko tape na Bible to zuna to bimisi to koti na dictionnaire. Biloko msu to sala kate frère. Abi, c'est quoi? C'est la peine causée à l'offenseur. Et tumbu oyo basali na moto oyo asali likambote. Pour la satisfaction personnelle de l'offenseur. Yokano pona ko sepelisa esengo kaka ya kibomoto. Ya moto ya zwa ki tumbu. Donc moto yo asala ki mabe. Bazongisele tumbu pona ko sepelisa moto basala ki ye mabe. Donc, quand Dieu veut te venger, le Seigneur cherche à te faire plaisir. Dieu veut te satisfaire. Vous imaginez un peu. Frère, ce qui n'a sali moutou mabe, nzamba ko ya ko venger ye. Ça veut dire, nzamba ko ya ko memanga mabe po ya sepela. Po ya yo ka bien. Si ko yo, tant que nzamba ko sa, vous trouvez maintenant la rétribution. Frère, nzambe azako salou mabe po mutu wana yas oyo salaki mabe ya sepela. Frère, imagine un peu siko. Na ebite soko yibaki eloko ne, soko bomaki, soko tong, je ne sais pas. Siko nzambe fo salope mabe po mutu wana sepela. Bilo musu pesa nango lisumu te hein. Te tolo banango. Amen. Amen. Siko yo soki frère John asalinga mabe. Lobi mabe komelie. Soki na sepeli. Est-ce que na sumuki? Ba? Na sumuki te ha? Te me, parce que nzambe na lobi bon. Po ozo se kapase komeli moutou he. Mais siko nzamba lobi ni. Azako sala po sepeli sa moutou ba sala ki mabe. Don na koko sepela na koki pe komela. Moi jina nga bien. Nzambe. Ya ato fungu la champagne. Bilo moussou to benga gali sumu nzo ki zanango li sumu te. Mais oui, mais à moi la vengeance. Dieu dit à lui la vengeance. Yéna ko zoum sela mabé. Azom me mela mutwane tumbu po ba sepel sa muto ba sala ki e mabé. Ba tunyo so ba zo salo mabé nzamba ko sepelisa yo. Lo ba amen. Amen. Ba tunyo so ba zo salo mabé nzamba ko sepelisa yo. Non mabé fo comme la bango po yo sepela. Rétribution en fait. Rétribution. Yokano. Première étape. Il y a deux significations. La première. Nzambaza matata frère. Uli fala sukata à moi la vengeance. Tosuki. Pour déjà na kata vengeance, nous sommes déjà frère. Mais asukite, à moi la vengeance. Et ensuite, la rétribution. Rétribution. Oui. Salaire. Oh, rétribution. Les fouti. Rémunération du travail qu'on a fait. Les fouti à moussala oyo moutou à sali. De la peine qu'on a prise pour quelqu'un. Basi oyo yo kaipo na moutou. Ou du service qu'on lui a rendu. Donna moussala oyo o sala ki po na ye. L'autre signification c'est récompense ou punition. Yoganan. Matériel ou spirituel. Récompense ou punition matérielle. Kuna pe na ezape bongo na. Oui oui. Même na dictionnaire ça matériel ou spirituel. Matériel ou spirituel. Frère et sœur. Même dictionnaire ayebi ke ezape matériel pe spirituel. À moi la vengeance. Ngana rozo ki sa mabe. Et la rétribution. Pe li futi du méchant. Ya moto akanza. Heureusement ko sala ka mabe te. Nazolo bane na bato ba ko salo mabe. To bazo salo mabe. Amen. Amen.
J'ai reconnu une chose quand l'évêque m'a dit, mais il me regarde, il dit, moi, je ne sais pas parler. Moi, je ne me bats pas. En tout cas, on aime toujours me faire du mal. Faites-moi du mal comme vous voulez. Moi, je ne parle pas. Mais, soyez fort. Parce que quand vous aurez tout fini, là, c'est lui qui m'a appelé. En tout cas, soyez fort pour supporter ce que lui vous fera. Il dit, soyez fort. Quand vous servez Dieu, quand vous avez foi en Dieu, sachez qu'il y a quelqu'un qui vous conduit. Il y a quelqu'un qui guide ta vie. Il y a toute une panoplie de promesses que Dieu t'a données. Chaque enfant de Dieu doit savoir que lorsque Dieu vous appelle, le Seigneur fait avec vous un projet. Le Seigneur vous a dit quelque chose. Personne ne peut servir Dieu sans recevoir de lui une promesse, sans recevoir de lui une assurance. Le Seigneur nous dit tout. Amen, Église. Amen. Si je vous dis toujours, quand vous venez dans cette Église, ne perdez pas les premiers messages que Dieu vous donne. Ça, c'est votre ligne de conduite. Ça, c'est votre repère. C'est ce message-là qui vous conduira vers votre destinée, qui vous conduira vers l'accomplissement de tout ce dont vous avez besoin. Le Seigneur ne fait jamais un appel au hasard. Quand Dieu vous appelle, dans un premier temps, il vous dit ce que vous serez demain, ce que sera son parcours avec vous. Frère, hier, j'ai vécu ce Dieu, frère. Je suis heureux pour les vases qui sont ici. Vous avez Dieu, frère. Et pour vous récompenser, je vais changer votre manière de travailler. Je vais vous amener. Acclamez encore, frère. Je suis heureux. Alors, je vais vous sortir de cette froideur-là pour que vous sachiez que Dieu est avec vous. Alors, je vais commencer d'abord par suspendre les consécrations de vendredi. Et je vais vous bénir avec les consécrations de samedi. Nous dormons nous ici et on se réveille le dimanche. On attaque le culte et puis on rentre. Amen. Amen. Pourquoi? Lorsque vous êtes en temps de guerre, même l'attitude doit changer. Même la manière de servir Dieu doit changer. Même la manière de chanter pour Dieu doit changer. On ne peut pas vivre la guerre tout en étant passif, frère. Il faudrait que vous changez même votre stratégie. Tout ce que le diable connaissait, il a pensé maîtriser les choses. Il doit voir les choses changer. C'est comme ça que Dieu dit. Chaque samedi, samedi, nous venons dormir. Consécration samedi. Nous prions le samedi. Et le dimanche, on attaque avec le culte. Et puis on avance, frère. Je crois qu'il y a un Dieu puissant. Un Dieu vivant. Lorsqu'il parle, il est derrière sa parole pour l'accomplir, frère. Écoutez, frère. Moi, je me suis repenti devant ce monsieur. Je dis, pardonnez-moi. Appelez votre cité Terre sans miséricorde. Il a rigolé, il dit, c'est tout ce qu'on vous a mis en tête pour vous éloigner de la chose. J'ai dit, oui, c'est une terre sans miséricorde. Écoutez, frère, il dit une chose. Regardez, tu as Dieu. Que personne ne te trompe. On n'a pas besoin de faire des exercices pour le voir et le sentir. Quand il s'est mis debout pour partir, un ministre vient en onction. Quand il est sous l'onction, il me touche et dit, mets-toi debout. Ainsi dit le Seigneur, mon serviteur, je regarde, je regarde. J'ai dit, ah, de l'autre côté, on m'avait dit qu'il n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu. Mon serviteur. Moi, Dieu. Je te connais. Tu vois tout ce que tu traverses. Je regarde. Ce monsieur ne sait pas ce que je traverse. Tu ne dors pas. Tu penses. Tu réfléchis. Sur tout ce qui t'est arrivé. Sur tout ce que tu as vécu.
Moi, Dieu, je sais, je suis là. Et je l'ai permis. Pourquoi? Parce que je vais marcher différemment avec toi. Tu sais les problèmes avec toi. Tu aimes trop associer les gens dans ce que je vais faire avec toi. Frère! Je regarde, frère. Nathalie. Il y a des dons sur cette terre. Il y a des dons. Il dit à chaque moment que tu appelles, je ne t'ai jamais appelé pour ça. Tu détruis ta vie. Tu détruis ton œuvre. Combien même que je vois des gens en train de chercher comment te tuer. Je regarde. Nathalie. Je dis oh. Il dit je sais. Frère, que vous ne pouvez jamais imaginer. Quelqu'un qui ne te connaît pas, qui te bombarde de choses, il dit mon serviteur. Mais pourquoi? Ces choses-là, on parlait de ça avec le pasteur Francis. Nous étions dans un restaurant chez le palais. Il me regarde, dit pasteur Valeur. Pourquoi tu laisses ce don que Dieu t'a donné? J'aime bien l'écouter. Il dit, mais Dieu t'a donné un don de discernement. Clair. Ouais. Le ministre là, il entre, il dit, merci Seigneur. Tu sais pourquoi? J'ai mis ce don de discernement clair en toi. Je regarde ce monsieur. Frère, un villageois. Je le regarde. J'ai dit, mes frères, il y a des dons, frère. Il y a des dons. Mon serviteur, j'entre dans une nouvelle étape. Ne t'en fais pas. Ce que je t'attends, ce que je veux, viens d'abord. Viens d'abord. Je vais viens d'abord. Je vais viens. Moi je vais viens. Oui, je vais viens. Je vais viens d'abord. Frère, je vous dis une chose pour que vous sachiez tout ce qui se fait, rien ne se fait au hasard. Je l'ai toujours dit. Je ne me suis jamais appelé dans cette commission. Je ne l'ai jamais cherché. Je ne l'ai jamais voulu. Mais je suis une voix. Lorsque cette voix-là me parle, personne ne m'a jamais trompé. Tout ce que la voix me dit, je le suis, frère. Et Dieu me dit, si tu continues à suivre des gens, à associer des personnes, tu mourras, tu finiras mal. Je t'ai créé différemment. Et voilà le don que tu as. Tu n'es pas le ministre de seulement d'une seule église. Ce n'est pas un don local que je t'ai donné. Frère, je regarde ce monsieur. Il ne me connaît pas. Il n'a jamais lu mes messages. Mais le Seigneur, frère, Dieu ne peut jamais se contredire. Lorsqu'il dit une chose, il dit ça ici. Vous partez à Kasumbalesa. Si c'est le même Dieu, il te dira la même chose. Vous partez en France. Si c'est le même Dieu, il dira la même chose. La manière dont il m'appelle ici, c'est de la même manière qu'il m'a appelé dans la bouche de ce monsieur, frère. J'ai regardé. Il dit oui, j'ai un plan. J'ai un plan. Je dis mais oui, chez moi aussi, dans l'église, Dieu m'avait dit ça. Et j'avais de larmes, frère. J'avais de larmes qui coulaient, frère. Je regarde ces jeunes. Quand nous sommes arrivés, je l'ai minimisé. Frère, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien. Si Dieu vous a appelé pour de grandes choses, vous n'aurez pas de petits combats. Vous n'aurez pas de petites épreuves. Le problème avec vous, ayez confiance à Dieu. Et faites confiance à vous. Ne courez pas derrière les hommes. J'avais dit à Dieu, je m'appelle Valeur, et tu me connais. Peu importe ce que les hommes diront, peu importe
ce qu'ils feront. Tout ce que je sais, je t'ai rencontré à genoux. Et je sais te chercher à genoux. Je peux multiplier, Seigneur, les mots des gens peuvent nous amener à nous perdre. Le problème avec vous, parce que nous voulons satisfaire la masse, nous voulons que les hommes soient d'accord avec nous. Quand Dieu vous appelle, vous ne serez jamais en accord avec les hommes, jamais en harmonie avec les hommes, jamais, frère. Dieu fait cela pourquoi? Parce qu'il aime créer les divergences pour que chaque individu puisse découvrir cette capacité de Dieu qu'il a mis en vous. Les épreuves ne m'amèneront jamais à abandonner Dieu, même pas les méchancetés des hommes. Le prophète dit, les problèmes avec vous, vous regardez les opinions des hommes. Il dit, moi je m'en fous, l'opinion de l'homme ne fera rien pour moi. Aujourd'hui, regardez ce qu'est l'homme. L'homme cherche aujourd'hui que Kabila revient. Oh Kabila Zonga. Kabila, tu nous manques. Oh Kabila, Kabila vient. Oh Kabila Zonga. C'est toi aujourd'hui. Mais hier, qui pouvait imaginer cela? Kabila était sanctionné de toutes les sanctions possibles, toutes ces difficultés. Mauvaise personne, assassin, voleur, Rwandais, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Mais aujourd'hui, il est allé. Cet homme, je l'aime, c'est un brave frère. Il est resté au pouvoir pendant 18 ans. Ni t'était la pression des Occidentaux, il sera encore au pouvoir. Il est là, frère. Et il, non seulement il est là, 18 ans du pouvoir, quand il a quitté, tout ce qu'on disait, il est là. Azawana. Allez-y les prendre. Allez-y l'arrêter. Ça, c'est le Poutine d'Afrique, frère. Voilà, Poutine d'Afrique. Que vous l'acceptez ou pas, les hommes forts sont reconnus de rester là où ils sont calomniés, là où il est médit. Il est là. Azawana. Il est là. Azawana. Vous allez vous habituer. Si vous voulez connaître le sens de toute arme forgée contre vous et nuler sans effet, regardez Kabila. Vous aurez le sens de cette écriture, frère. L'autre fois, je l'ai vu dans une voiture rouge, seul sans garde-corps, tirer les massages, arrêtez-le. Ce pays, oh, mais il est là devant toi. Arrêtez-le. Toi, tu attends ce pays pourquoi? Ce pays vient. Ce pays, oh, mais est-ce qu'il a tué quelqu'un au CPI là-bas? Mais vous dites ça ici, non? Prenez-le ici. Jugez-le là. Regardez, frère, il est ici. Azawa. Il est à Kingakati. Il roule au milieu de vous. Azawa. Il est là. Azawa. Ça, c'est le charisme des hommes forts. Azawa. Jésus regarde et dit, mais quand les pharisiens sont venus le trapper, il dit, mais pourquoi vous venez avec les épées? Pourquoi vous venez avec tous ces armes? Mais chaque jour, j'étais avec vous. Je suis avec vous tous les jours. Mais pourquoi vous ne m'avez pas arrêté? J'étais là avec vous. Vous êtes incapable de me dire la vérité. Quand je suis là, tu mens. Quand je tourne le dos, sache que tu es faible. Tu es sous les pieds. Sous les pieds. Sous les pieds. Oui, frère. N'aie jamais peur de quelqu'un qui part derrière ton dos. Ça prouve la bassesse. Ça prouve ta supériorité sur lui. Et surtout s'il est avec toi chaque jour en face, ça prouve qu'il n'a rien dans lui. C'est lui qui est quelqu'un. C'est lui qui a quelque chose. Il regarde quelqu'un en face. Il lui dit tant, ça se termine. J'attends ta réaction. Je dis et j'attends. Pourquoi? Je me connais. Je sais là où je suis assis. Yo sur mon box, bazo. Tokoki ko beta j'ai des 6 na réseaux sociaux, na internet. Na kati ya Covid na mona ki le jet d'échec. Moko aza na Canada. Mon cousin aux États-Unis, ceux qui sont en France, bazo betango na jeu de chez pour na robanga Covid, frère. Yo casque sport abilome. Yo box bo ke no betango na internet. Oyo na France, oyo na Canada, bo bana ndenge ne. Ah. Abeti bien droite, un point. Covid ou pas,
binomi balé na terre oh wo. C'est comme ça que la vie avec Dieu. C'est comme ça la vie avec le diable, frère. Tout celui qui est lâche n'ira pas loin. N'ira pas loin, frère. Ce qui a fait la force de cet homme Kabila aujourd'hui, il a surmonté tout en étant au Congo. Oh, Abomi Banane, il est là. Oh, Aboukakini, il est là. Oh, Aïbakini, il est là. Mais si il y a bien encore Kaka. Frère. La chose qui vous tue, vous voulez que la satisfaction de votre personne sorte de la bouche de quelqu'un. Tous les hommes que vous voyez sont des infidèles. La chose qui ne trahit jamais, c'est ce que Dieu t'a dit. C'est ce que Dieu te promet. Reste là. Siméon, Dieu lui avait fait une promesse. Tu ne mourras jamais avant que tu n'aies vu la naissance de cette fille de Dieu qui viendra. Il mangeait, il travaillait, il pouvait tout avoir, mais il retenait cette promesse dans son cœur. Il savait que les paroles de Dieu ne faillissent jamais. Les paroles de l'homme faillissent, mais les paroles de Dieu ne peuvent jamais faillir. Il est important que chacun de vous puisse savoir ce que Dieu lui dit. Amen, frère. Amen. La chose qui fait ma force, qui fera ma force, c'est les ainsi dit le Seigneur. Lorsque je vois que tout devient noir, lorsque je vois que tout devient sombre, je cherche tous mes messages. Je commence à fouiller. Je commence à lire. Seigneur, ce que je traverse ici, tu n'avais jamais dit. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi? Parce que je sais que ma vie, ce n'est pas entre les mains des hommes. Ce n'est pas un homme qui m'a appelé pour le servir. L'homme aura toujours une vision. Aujourd'hui, il va croire d'une certaine manière. Demain, il croira d'une certaine manière. La croyance de certaines personnes dépend des humeurs. Amen. Amen. Mais Dieu, pour agir, ça ne dépend jamais des humeurs. Amen, frère. Amen. Oui, chaque enfant de Dieu, pour aller loin avec Dieu, le problème ce n'est pas que vous manquez Dieu. Le problème ce n'est pas tes péchés. Non, mais Dieu a exaucé certaines personnes dans les péchés. Est-ce que vous le savez? Dieu exauce certaines personnes dans les péchés. Je prends la femme au puits. Il avait, c'était une prostituée. Il avait laissé un likangu dans sa maison. Mais quand il a rencontré Jésus, la foi dépasse n'importe quel type de péché en force, frère. Quand Jésus a vu cette femme, il lui pose, donne-moi de l'eau. Je ne te donne pas, il n'y a pas de relation entre nous. Il dit, ah bon, si seulement tu connaissais le don de Dieu. Jésus ne savait pas que cette femme était pécheuse. Il le savait. Va appeler ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as dit vrai. Même celui que tu as laissé à la maison là n'est pas ton mari. Avant, tu en as eu 5. Mais cette femme-là a trouvé le salut au puits. Je prends l'histoire d'Agar. Agar qui était une femme étrangère. Non, je laisse celui-là. Je prends cette femme-là de Jéricho. Le mur de Jéricho. Comment est Rab la prostituée. Rab qui a rencontré les hommes de Dieu. Je vous pose la question. C'est dans quel coin où Rab avait confessé ses péchés? Rab n'avait pas confessé ses péchés. La position qu'il avait adoptée face à cette parole de l'heure, c'est cette position là qui avait amené Rab à rencontrer le salut. La position qu'elle avait face à l'instant. Beaucoup de choses vous bloquent. Parce que face à une situation favorable de Dieu, vous n'avez pas une position meilleure. Puisque dans votre tête, on vous a toujours dit, il faut confesser. Non, il y a d'autres confessions que Dieu efface lorsqu'il veut accomplir certaines choses. Amen. Là, c'est puisque
les enfants d'Abel qui connaissent cela. C'est-à-dire un acte que tu peux accomplir pour Dieu qui efface ses transgressions, qui efface tes péchés. Je vous pose la question. L'homme à la croix, le voleur à la croix, il avait fait quelle confession, frère, pour que ses péchés soient pardonnés? La chose qui l'a sauvé, c'était sa position en face de la volonté parfaite de Dieu. La volonté de l'heure, la volonté de l'heure, c'est le salut manifesté dans une forme, frère. La volonté de l'heure, c'est le salut physique. Le salut physique était devant cet homme-là, cloué à la croix. L'autre dit, mais regardez, est-ce que c'est un homme de Dieu? C'est un homme de Dieu. Il dit non. S'il était un homme de Dieu, il n'allait pas faire ça. Il n'allait pas faire ça. Faites attention avec des choses que vous faites. Faites attention avec des choses que vous dites. Faites attention dans les choses que vous entrez ou on vous fait entrer. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne savez pas la manière dont Dieu opère. Je vous dis une vérité. Dieu est jaloux de ces hommes ici, frère. Dieu est jaloux de toutes les onctions qu'il leur donne. Il dit ceci. Il regarde comment il dit. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? C'est pas moi qui le dis. Il dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Lui-même, il sait ce qu'il fait. Si Dieu en a marre de lui, le Seigneur va le vider. Quand il voit que son temps est arrêté sur la terre, le Seigneur le vide. Si toi tu ne l'aimes pas, écarte-toi. Quitte sur son chemin. Va tranquillement en paix. Frère, je disais à ma soeur, frère, je crois que Dieu parle dans ma bouche. Est-ce que vous le croyez? La semaine passée, ma soeur aime beaucoup suivre Denis Les. Excusez-moi de citer son nom. Elle aime beaucoup suivre Denis Les. Je l'observe pendant un certain moment, deux, trois semaines. Ce jour-là, l'ange me monte à cœur. Je lui dis, dis-moi un peu, qu'est-ce que cet homme t'inspire? Non, elle nous dit la vérité sur les serviteurs de Dieu. Je lui pose la question. Est-ce que tu sais que même la chute d'un homme de Dieu, c'est une promesse de Dieu pour ses serviteurs? Est-ce que vous le savez? Est-ce que j'ai menti? Mon serviteur tombera cette fois, je le relèverai. Ce n'est pas une promesse. Je ne pousse pas les hommes de Dieu à aller tomber. Je ne vous pousse pas des péchés. Vous serez responsable devant Dieu. Mais ici, je veux interpréter la parole. Je veux vous aider à sortir de certaines pratiques quinoises qui demain va vous empêcher le ciel. Je lui ai dit, écoutez, même Dieu, quand il a appelé les enfants d'Israël à sortir d'eux, Dieu a dit, il faut qu'il y ait une séparation entre le peuple et les sacrificateurs. Il y a une distance de 2000 coudées pour que le peuple ne voie pas ce que ces hommes-là font. Quand la colonne de feu s'élève, les serviteurs de Dieu s'élèvent, ils partent. Le peuple ne s'élèvera pas. Il devrait attendre 24 ou 48 deux jours. Les serviteurs de Dieu partent, ils arrivent là-bas. Deux jours après, le peuple se lève et il suit derrière. Pourquoi? Parce que Dieu savait que les souverains sacrificateurs étaient des hommes. Ils avaient des erreurs. Ils avaient des faiblesses. Ils pouvaient faire des... On pouvait le voir entrer dans la toilette. On pouvait le voir manger. Ils pouvaient se battre entre eux. Mais le Seigneur voulait que cela reste entre les sacrificateurs. Que ça ne sort pas au milieu du peuple. Le Seigneur protège même les péchés de ses serviteurs. Je vous dis une chose. Les
réseaux sociaux vous amènent en enfer. Les réseaux sociaux vous détruisent. Vous qui prenez ces histoires, vous mettez dans vos statuts. Vous détruisez l'église de Dieu. Je ne parle pas de l'église des Ballaris. Je parle de l'église corps du Christ. Comme moi personnellement, je n'ai jamais vu les péchés de Tatou Francis. Je n'ai jamais vu les péchés de Michel Bakenda. Je n'ai jamais vu les péchés de Mike Kalamba. À part celui qui avait vu, il balance là. Tu porteras la charge de tous ces hommes qui voient cela. Si Dieu n'avait pas permis que je voie, le Seigneur protège ma foi. Il protège ta vie. Si vous prenez ces choses, malheur à vous, frères et sœurs. Moi, quand ça tombe chez moi, je supprime. Je dois arrêter, je supprime, frère. Parce que tu ne sais pas quelqu'un qui n'était pas informé. Tu les balances cela. Toi, il quitte l'église. Toi, tu ne sauras pas. Mais toi, la personne ne prie plus. Tu porteras cette charge toute ta vie. Le jour où tu vas te retrouver, le jour du jugement, le Seigneur t'amène un groupe de gens que tu ne connais pas, que tu n'as pas frappé, tu es vierge, mais Dieu dit tu vas en enfer. Seigneur, je ne buvais pas, je ne faisais pas du mal. Il dit non, quand tu projetais les images négatives là, l'autre là voyait. C'est le nombre de personnes qui iront avec vous au jugement. Je vous le dis au nom de Jésus. Le nombre de cas que, ici sur la terre, ça vous donne l'argent. Vous mangez. La foi des gens refroidit. La vie spirituelle des gens détruite. Vous amassez, vous devenez populaire. Votre popularité, c'est pour l'enfer. Votre popularité, c'est sur l'enfer. Dénie-le sa foi. Tu prends, tu mets sur ton statut. Tu informes combien de personnes qui n'ont jamais connu cela. Et tu modifies leur croyance. Tu modifies leur pensée. Tu modifies leur tendance. Tu modifies leur expression de la bouche. Travaille aussi pour ôter cela. Hein. Ça, c'est l'enfer dans une assiette bien garnie. Je vous dis la vérité. La Bible dit, celui qui détruit l'œuvre de Dieu, je le détruirai. Et c'est la parole. Oui. Le Seigneur prévoyait même les péchés. Il cachait la vie de ses serviteurs. Il pouvait se battre là-bas. Il pouvait se faire du mal. Jamais, frère. Même Dieu savait que ce sont des choses qui vont arriver, qui peuvent arriver, mais le Seigneur les sécurisait. Je demande maintenant, ma soeur, ça veut dire quoi? Si lui-même, Seigneur, qui condamne les péchés, protège ses serviteurs, vous qui êtes-vous? Va nous lire alors. Tu peux lire ça? Ok. Si Dieu sécurise, si Dieu protège, le prophète Branham dit, quand vous rencontrez votre frère dans une erreur, n'allez jamais publier, va lui dire. Va lui dire. C'est ainsi la parole. Lui, il sait qu'il fait. Je pose la question à ma soeur. Il vous a déjà donné combien de versets que tu as gagné? Il vous a déjà donné quelle prédication? Il est célèbre aujourd'hui. Oui. En quoi il est célèbre? Il s'appelle prophète. Il a déjà prophétisé quoi? Qu'est-ce qu'il a prophétisé? Mais tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est détruire la vie de ceux-là qui sont dans les champs qui travaillent. Qu'est-ce que Francis l'a fait? Qu'est-ce que Mike l'a fait? Qu'est-ce que l'autre qui? Mie l'a fait. Pourquoi, frère? Est-ce que la Bible dit, qui ne sort de votre bouche aucune mauvaise parole? S'il y a lieu une bonne parole qui communique la grâce à celui qui l'écoute, ce que lui dit, ça vous communique quoi? Courage. Voilà, frère. Lisons un peu. Ésaïe chapitre 65, verset 8. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, Balobaka, ne la détruis pas, comme car il y a là une bénédiction.
J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs. Afin de ne pas tout détruire. Par amour à son serviteur. Par amour, frère. Quand Dieu vous appelle, vous êtes serviteur non pas parce que vous méritez. Vous êtes serviteur parce qu'il vous aime. Il vous prend et il vous met là-bas. Je pose la question à ma soeur. Quand vous regardez cet homme, à la fin vous gagnez quoi? Vous priez beaucoup? Ça vous montre la prière? Non. Mais ça fait la haine. Tu hésites envers les hommes de Dieu. Il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu ne peux plus réaliser. Parce que cet homme-là a détruit la réputation des autres. Je m'en vais encore vous poser la question. Quand il était célibataire, tout le monde l'accusait. Mais maintenant il s'est marié. Personne, au lieu de l'acclamer, vous prenez, vous commencez direct le matin de son mariage à critiquer sa femme. C'est une pute. Moi, il insulte la femme de ce monsieur. Et en plus, une servante de Dieu. Frère, vous jouez avec les dons. Branham a dit, une femme qui a le Saint-Esprit, vous ne pouvez même pas la saluer avec un chapeau sur la tête. Vous devrez enlever le chapeau, la saluer. Le problème, c'est parce que nous étions mal éduqués. Nos églises ne nous éduquent pas bien. D'abord, même par l'éducation, une femme d'autrui, même l'enfant ou sœur d'autrui, tu ne peux pas proférer des insultes sur elle. Sous d'autres cieux, frère, ce monsieur-là est bon pour la prison. Même en Europe ici, on le met en prison. Diffamation. J'ai suivi l'histoire de Will Smith. Il y a avec un autre acteur noir. Ça passait en direct sur la chaîne, tout ça. Alors, ce monsieur-là a parlé en mal de la femme, de la coiffure de la femme de Will Smith. Ne sachant pas que cette femme-là souffrait d'une maladie qui cause de perte de cheveux. Mais Will Smith n'a pas eu peur des caméras ni du monde entier. Non. Il s'est mis debout là où il était. Il a bravé la marche, il venait. Il est arrivé, il lui a donné un véritable clap de frère. Pas devant tout le monde. Il lui dit, la famille n'ose pas. La femme n'ose même pas. C'est de ma femme qu'il est question. Je te tabasse, frère. Il a giflé. Et tout le monde était d'accord, frère. Je peux entrer dans le livre de Proverbes, même chapitre 6. La Bible dit, la jalousie rend un homme furieux. Il peut l'emmener même à tuer. Faites attention avec certaines choses. On ne joue pas comme ça. L'église est là. Je lui ai dit, qu'est-ce qui prouve que lui il est saint? Qu'est-ce qui prouve qu'il a fini? Je pense que ce jour-là, tout le monde était contre moi. Nous étions là même avec le papa Claude. Je pense tout le monde, non, pasteur, j'ai dit non. Ce que vous faites là, ce n'est pas la parole. Non! Je ne peux pas vous laisser dans l'erreur. Vous amassez vos téléphones dans des vidéos inutiles. Des choses qui ne contribuent pas à l'avancement de l'œuvre. Qui détruisent la foi. Et vous êtes là à groupe. Frère, de la même manière, le Seigneur t'exposera aussi. Toi, tu ne caches pas des autres. Pourquoi voudrais-tu que demain le Seigneur te cache? Non! La Bible dit, on se servirait de cette même mesure pour t'évaluer aussi. Retenez ce que vous faites aux autres. Ça va vous revenir, frère. La Bible dit, tes péchés te retrouveront. Amen. Il a fait cela. J'ai dit, mais non. Il ne fait pas l'œuvre pastorale. Un pasteur, c'est une tombe, frère. C'est une poubelle. Moi, si Daniel, c'était mon pasteur, vous n'aurez jamais ma confession. Jamais, frère.
Puisque vous n'avez pas la culture du secret, vous allez détruire de familles, vous allez détruire de vie, vous allez disloquer des couples, frères. Dans ce service ici, nous avons des choses que peut-être vous ne pouvez pas savoir. Le père tombe avec sa fille, la fille tombe enceinte, frère. Mais vous gérez des choses comme ça, vous ne savez pas. La maman est allée, ils ont des disputes avec son mari, elle part quelque part, frère. Arrivé là-bas, elle tombe enceinte. Et le mari vient pour récupérer sa femme. Toi, pasteur, tu dois gérer cela, frère. Si c'est toi, dénie-le, si frère. Ça veut dire, viens Zambé. Quand on vient Zamba au côté l'osiko, frère. J'avais dit, il n'a pas fini. Nécessité. Moi, je connais les aventures de Denis Lessi. Là, j'ai dans cette église ici des gens qui vous bombardent l'histoire de Dia Denis. Vous ne pouvez pas parler, frère. Mais est-ce que je vous ai dit ça même un jour ici? Vous commencez à me dire, wow. Non. Non. Ça, c'est la méchanceté. Et si tu suis ces choses, la malédiction devant ta porte. Effacez ça, ne cliquez même pas ces histoires. Un enfant de Dieu ne peut jamais se sentir à l'aise lorsque l'église de Dieu est calomniée. Que ce soit l'église où tu fréquentes ou non, frère. Je suis malade lorsque l'église catholique s'élève pour dire on doit chasser tous les prêtres ayant des enfants dehors. Je savais que cette histoire va sonner le glas, frère. Hier, ma soeur me montre une vidéo. J'avais lu le jour passé, une soeur avait affiché sur internet une lettre qu'on a congédiée le prêtre de l'église Saint-François de Sade Kitambo. Que tout le monde puisse le vigiler, il n'a plus droit à tout ça. Mais le frère a fait une vidéo. En train de boire l'alcool. Il dit Ngaï, Naïbi Moussa Moussou, na sali ki sango Moussa nanga mobimba. Bon lengo langa lelo. Il dit ça, c'est une guerre. Il dit, oui, j'ai mes enfants, oui. Il dit, mais même celui-là qui dit là, c'est là qui. Quand il fait ça, ce sont les cardinaux ou les cardinaux, tout. Il dit, mais il y a Zolobana. Azan a quatre bons. Frère, l'église n'est qu'au té, quatre. Frère, non. Il y a des choses de l'église. Et le Réamba. Qu'on ne peut pas régler à la chair. La chose qu'on règle à la chair, si l'erreur a été produite ici à la chair, ça se règle ici. Mais si c'est quelque chose qui s'est fait en coulisses, nous les réglons en coulisses. Frère. Amen, Église. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit. N'entrez pas dans ces choses. Un jour, Mike ne savait pas que ces vidéos vont être publiées. Vous êtes là aussi. Vous en avez. Tu ne sais pas dans tes téléphones, tu as tes propres vidéos nues. Un jour, j'étais comme ça, assis. Pasteur, t'as la moine na yo na nini na statue na. Frère, na kota na statue beloko la mami wata. Na kaleçon. Moi na église. Sœur église. Kaleçon au pays rouge. Je regarde. Nathalie. Je copie. Pourquoi tu as total là? Pasteur a copié. Il a peine à garder. Il y a un numéro dans le téléphone. Tant. Allô? Papa Limbisanga, papa. Yambana Mbote. Mbote. Nzamba Pambola yo. Papa. Nzamba Pambola yo. Nazo peso. Nzamba Pambola yo. Amen, kasi papa. Même c'est une qui cause ce coquille de sous-souté. Chambre coquille, au pessimiste au bonus. Papa naïe, bakite, na bandagi kaka kotala, na ndenge keko koma. Bon, si ko yo bandako garder on a téléphone, non pon a nene. Nous autres on a yo moko. Ah, papa, oye zakaka makambu ya satana. Yo! Satana nda filma ki yo? Satan a des caméramens na yo. Frère. Déco.
Lavez vos téléphones. Sanctifiez vos téléphones. Sanctifions les téléphones, frère. Un jour, le Seigneur t'exposera, frère. J'ai reçu des vidéos entrant sur moi. Des groupes là, frère. Je ne savais pas, papa. Ah. Allô, pasteur Valeur. Un bien-aimé en Afrique du Sud. Il venait quand nous étions à Pâtre. Allô, pasteur Valeur. Vous avez une image, envoyé une image obscène. Pardon? Frère, vous t'aimez pas, Souki. Une image obscène. Dis oui. En tout cas, bon, je ne sais pas, mais je crois qu'il c'est par erreur que vous l'avez envoyé. Frère, j'ouvre comme ça. Évidemment, bon, c'était des choses, c'était des animaux en fait. C'était des animaux. Une image, c'était noir comme ça. C'est sorti, c'est venu d'un groupe. Bon, je ne cite pas le nom de ce groupe-là. Alors, or, pendant que j'ai supprimé ces histoires, frère, imagine, je me dis alors. Si c'était mon image, frère. Maintenant, cette sœur-là, regardez. Quand elle a effacé, oh, il y a d'autres personnes qui ont, je ne sais pas, les WhatsApp GB. FM. Quand ça entre comme ça, ça ne sort plus. Ça reste. C'est resté 24 heures, frère. Et elle recevait maintenant les appels. Kasiyo et Loronine. Ah! Oko Lembako s'excuser, frère. Oko Lembako senga pardon. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Cet homme-là n'est plus un serviteur de Dieu. N'appuyez jamais ces choses. Ne regardez pas. Non. Aussi longtemps que les autres là sont en train de servir Dieu, il y a encore des gens qui croient en eux. Certaines choses que vous êtes incapables de supporter. Il y a des gens qui ont déjà atteint un stade de maturité dans l'œuvre de Dieu. Ils sont derrière ces gens. Faites attention avec les choses que vous faites. Faites attention. Ne vous réjouissez pas des malheurs des autres. Vous ne savez pas là où demain va vous conduire. Regardez maintenant. Après une semaine, j'arrive chez moi. Je trouve ma soeur. Quand j'entre là-bas, elle était là pensive maintenant. C'est une enfant de Dieu. Elle avait vraiment compris. J'ai regardé même l'inquiétude dans son cœur. J'ai dit, bon, moi mon rôle c'est de parler. C'est de ramener dans le rail. Mais regardez. Papa Sam, hier, j'arrive chez moi à la maison. Quand je suis arrivé, je le trouve en train de parler avec Pasteur Francis. Pasteur, mais regardez, c'est du n'importe quoi. Le français de France. Non mais c'est monsieur. Non, non, n'importe quoi. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, mais c'est Denis Lassi. On l'a attrapé. J'ai dit, quoi? Il a une deuxième femme, regardez. On l'a trouvé avec une deuxième femme, il fait ça. J'ai dit, oh, l'ange avait parlé. Oh, qui beau. Frère, j'ai parlé. Une semaine après, l'ange la met dedans, la chose. Bah, je lui ai dit, tu es exposé? Tu as exposé, Denis Lassi? Je veux tel qui est. Mais il faut l'exposer. C'est de ma sœur ici que je parle. Tu peux faire ça quand tu vois. Fais ça, voilà. C'est elle. J'ai dit, mais il faut l'exposer. Les pasteurs de pétage. Frère. Déco. Frère. Tout serviteur de Dieu. Qui, dans son nom, dans son ministère, est ajouté quelque chose. Avec ses locaux. N'est pas un serviteur de Dieu. Et plus pire encore, si dans son ministère, tout ce qui l'accompagne n'a pas de fondement biblique, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, cet évangile doit être maintenu dans les termes qu'il faut. Si vous ajoutez d'autres termes, ce n'est pas Dieu. Je vous pose la question. Que veut dire Nzondo? Nzondo, c'est quoi? Pétage dans la Bible, c'est quoi? Qui a parlé de pétage dans la Bible? Non, il y a pétage dans la Bible. Qui a parlé de Nzondo? Non, il y a Nzondo. Qui a parlé de Mankiona? Le monde dans l'église. Mokil, Katne Yamba. La Bible, s'il veut parler Mankiona, ce sont des fausses prophéties. C'est comme ça que la Bible l'appelle. Des fausses prophéties. Parce que le Lukuta. Non. Dieu a suffisamment pourvu de moyens dans son église pour que les fidèles elles puissent converser. Ils ont des termes qu'ils doivent employer.
Alors vous êtes tous emballés dans des choses. Vous m'avez mis le nion sur la macambo. Est-ce qu'on peut nous trouver un Corinthiens 15? Le premier verset. L'évangile, vous devrez le retenir par le terme que Dieu a donné. Non, laissez, voilà, vous allez lire après. Frère, lorsque Dieu vous dit une chose, il vous donne le terme qu'il faut. Retenez ce terme-là. Vous n'êtes pas obligé d'emprunter le terme du village ou du monde pour insérer dans les choses de Dieu. Non. Non. L'église est différente du monde. L'église est différente du monde. Est-ce que quelqu'un attend cela? Est-ce que vous pouvez me répéter cela? L'église est différente du monde. L'église est différente du monde. C'est ça. Quand vous venez à l'église, vous trouverez des choses différentes. Vous trouverez des choses compliquées. Je veux vous informer, Église. Quelqu'un me dit, pasteur, pourquoi si ça qui kilte? Frère, n'a aussi ça coûte kilte dans micro le royaume même à 16h45. Je vous dis la vérité. Vous ne me comprendrez plus jamais. Le problème avec vous, vous voulez diriger l'Église. L'église n'est pas dirigée par l'homme. L'église est dirigée par le Saint-Esprit. Je vous pose la question, cette église. Est-ce que dans cette église, lorsque nous prêchons, on prie ou on ne prie pas? Si nous prions, élevez les mains. Ah, je voulais que cette sœur-là puisse voir. On peut commencer la prière avant la prédication, comme après la prédication. Je ne suis pas censé, après ma prédication, vous conduire dans la prière. Non, je suis la voix du Saint-Esprit. Donc, quitte à toi de savoir que le culte commence à 16h30 et ça va se terminer aux heures qu'il faut. J'avais prévu une autre prédication. Mettez-vous debout, je crois que je ne lis pas de citation. J'arrête le culte là-bas. Mettez-vous debout. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur?